n'entendez pas. Bon, là on est parti, il faut monter au parc d'Axis, au parc PAV, récupérer la voiture et on revient. Peut-être. Après cette petite sieste. Non, j'ai juste fermé les yeux. Juste pour reposer les yeux, c'est tout. J'ai pas ronflé, j'ai pas bavé. C'est un menteur. J'ai pas ronflé, j'ai pas bavé, rien. Pas une télé. Pour l'instant ça va, on attend la première spéciale avec impatience. Donc pressé de commencer, voir qu'est-ce que ça donne. Vu la reconnaissance, qu'est-ce que ça donne déjà là? Une appréhension on voit d'ailleurs. Non pas du tout, on a bien travaillé sur les reconnaissances. Là on a hâte de commencer pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. C'est quoi pour toi cette saison? Ben c'est le championnat. Que les filles sont, ont un peu d'avance, j'essaye de les rattraper un petit peu et voir qu'est-ce que ça donne sur la dernière manche après en décembre. Spécial. On est prêt, hâte de commencer, de
fait sentir? Ouais, tu peux. En fin de compte, c'est l'attente que les longs. Ouais, l'attente est longue. Voilà. L'attente est longue alors? Ah, ouais. On se repart pour partir? Allez, à tout à l'heure. Comme c'est Makati, ce rallye 13. Très bien, super, top. T'as bien gardé là? Ah ouais? Tu es prête, papa Robert? Ouais. Tu es prête? Ah ben, on est prêt, oui. On a vraiment des manches, je te dis. On n'a pas eu grand-chose à faire. Thank you.
Bravo. Troisième. 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 Bravo Dimitri. Et en première position, le 65, le 65, Ali Stéphane Fontaine-Denis. Bravo. Et le papa l'a dit. Allez, on les applaudit s'il vous plaît. La catégorie M2. Ouais. Et on va bien défouler après. Allons, on va manger.